1, 2, 3. C'était mon dernier jour de travail et je suis stressée. T'appelles ça des vacances toi? On est au plus stressé parce qu'on prépare notre camion d'assistance et faut rien oublier, alors c'est presque le moment le plus stressant. Ça me rappelle mon premier Iron Man où vous l'avez fait mille fois, on passait notre temps à s'appeler pour faire nos valises, c'est ça non? Ouais, un peu pareil. Non, ta veste elle est déjà là. Non, mais j'ai pas pris de veste bleue comme ah ça. Ah oui, non, mais on la mettra avec ton manteau ouais, là. Voilà. Ouais. Et voilà, dernier carton. C'est parti. À demain, Nico. À demain. Mardi 26 octobre, et là, on a préparé toutes les affaires pour partir au Havre. Regarde Nico, je vais te le prêter. Mais pour l'époque, c'était quand même trop bien. D'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Ça fait peur. On est pas sorti de l'auberge là. T'as 6 heures à faire en avion. On va mettre un mois et demi en passant par le Havre pour aller en Martinique. C'est vraiment bon. On vient d'enlever de l'aérien de Sperre et donc on est prête à partir au Havre. Ça va être les bons moments. Trop bien, combien de temps de navigation? Et ben à peu près 25 ou 26 heures si on se dépêche. Et notre but c'est d'arriver avant le petit front et la dépression qui nous attend au Havre. Donc après départ du Havre. Ouais, petit après le Havre, c'est le petit archipel du Cap Vert. Prête. Alors attends Nico, je tiens à préciser que c'est la première bière que je bois sur le bateau. Et d'ailleurs quand même, comme elle est forte, je vais peut-être... Oh non, ça va à 5 degrés. 1, 2, 3. On croyait l'embarquer, se reconvertit dans les mariages. Qui veulent pas nous éviter parce qu'ils sont pas sympas, alors du coup on doit faire des manœuvres. C'est trop stylé là. Là ça surfe là, c'est trop la classe. Il y a un petit soleil au top. Et voilà, on arrive au Havre après 24 heures de bon voyage qui ont été épiques. On a encore cassé quelques trucs, donc la job list s'allonge, mais c'est des trucs pas très graves. Il y a un peu de vent, hein, et là ça fonce. On arrive dans le chenal du Havre. Tout droit sous Génoc, bim, tout droit dans le port. C'est de navigation là. Putain, on arrive au Havre là. Et alors, ça fait peur? Ça fait super super peur. Ça fait peur, mais maintenant on peut plus faire marche arrière. 4. Mais c'était franchement génial hein. On a combien de temps du départ là? Eh bah 10 jours. 10 jours. 11 jours je crois en vrai. Il fait beau, ça tombe bien, on doit bricoler le bateau. On colle les derniers stickers sur notre GVNAV. Que des entreprises normandes tiennent notre projet.
11 jours du départ. 11 jours et on a plein d'interviews. Il va falloir faire que du bricolage et des interviews. Et se reposer un peu. Voilà, mais ça c'est toi. On lit à 20h. Ça c'est toi qui t'occupe de notre emploi du temps. Ok, ok. Qu'est-ce que je dois dire du coup ?